Les guerriers du désert ou Fennec d'Algérie confirment leur statut de la meilleure sélection nationale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Égypte 2019 face aux Lions de la Teranga du Sénégal, déterminés à prendre leur revanche du match de poule. Les KP de Djamel Belmadj ont entamé la rencontre tambour battant, ce qui leur permet d'ouvrir la marque 2 minutes seulement après le coup d'envoi de la partie. Bussien Bagdad Bounadja, qui a vu sa frappe déviée par un pied sénégalais qui lobe Gomis, son portier, qui observe la trajectoire du ballon qui finit sa course dans la lucarne gauche. Algérie 1, Sénégal 0. Blessés dans leur orgueil, les coéquipiers de Sadio Mané mettent les pieds sur l'accélérateur. Les attaquants sénégalais, qui multiplient des assauts offensifs, se heurtent à la détermination de la défense algérienne, bien regroupée devant le portier Raïs Mboli, qui se trouve au meilleur de sa forme. Les Algériens qui jouent dans leur camp en procédant par des contres seront mis à rude épreuve vers la fin de la partie. Mais ne céderont pas. Raïs Mboli anéantit tous les efforts offensifs sénégalais et permet à Riyad Mahrez de soulever le trophée pour la seconde fois après celui soulevé par Rabah Madjer en 1990. Ce trophée tant convoité, attention! Et voilà, le trophée brandi par Riyad Mahrez. L'Algérie remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, deuxième victoire.